De retour, cette fois c'est Sokcho. Alors, on a ce secteur là, Cheorwon, et l'ordinateur à Delta, Dongae et Coxon. Qu'est-ce qu'il a? Alors, de l'infanterie d'élite. Des manpads, de l'anti-tank et support anti-feu, anti-personnel, des fagottes 16, de la reconnaissance d'élite, des hélicoptères de recours. Des hélicoptères lance-roquettes, lance-missiles, oui, 4 manpads avec une bonne portée anti-hélicoptère, 2100 mètres. Ok, il faudra faire gaffe à cela. Si j'ai des hélicos, il me semble. Ouais, j'en ai quelques-uns. J'ai des RA, ah tiens. Il n'a pas pris en compte le fait que. Ah bah oui. Ils n'ont pas encore. Il leur manque l'initiative. Donc on va passer le tour. Et le tour prochain, on se le fera. Ah bah ça y est. Donc cette fois, ils ont l'initiative. Donc c'est reparti. Les fantômes pour ses hélicoptères, lui. Il va lui faire gaspiller ses Strela. Des Hornets, pourquoi pas. Des Prowlers aussi pour lui faire gaspiller ses munitions. Voilà. Et donc, cette fois-ci, US Marines, ses hélicoptères, ATS 103. Voilà. Et de l'infanterie. Bon, ben, ça fait pas mal. Et puis il y a Busan aussi. Il faut tenir coûte que coûte. Hein. Ah oui, là il met le paquet au niveau de l'infanterie, hein. Effectivement. Pas d'où il débarque cela. 32, Fortune, Fagot. Ça va, pas d'antillère, pas d'antillère. Les hélicoptères sont là. Ouais. Donc on peut les faire revenir. Là. Tank, ils pourront pas participer. Là j'ai de l'infanterie, mais je pense que j'en ai déjà un petit peu sur place. Ouais, un tout petit peu, ça suffira. Là, qu'il en est pas mal, mais. Et on voit, il n'a pas d'entière. Il me semble que non. Ah, il a comme ses VTT 323. On va faire Busan. Alors. Marines, Engineers. J'ai peut-être pas besoin de tous ces avions-là. Les chasseurs, je peux les envoyer là-haut. Peacefizan 2. Voyons voir. Ouais, j'ai plutôt en avoir besoin contre ces tanks là-haut. Voilà. Ceux-là, par contre, ils sont efficaces contre son infanterie. Ceux-là aussi. J'ai des hélicos. Si j'ai de la reco. Tom. Infanterie. Tank. 36 et des taux de. Ouais.
Allez, c'est parti pour vous ça. Alors comme tout à l'heure, hein, on va garder Alpha. Où est-ce qu'il a mis le commandant là-bas? Là, il est dans un véhicule. Celui qui est dans le véhicule, on va vraiment le mettre perpète les oies. Celui-là, on mettre ici. C'est encore des commandants. Je peux en mettre un sur écho, ça va avoir plus de points. Là. Puis on va prendre des hélicoptères. Voilà. On les place au-dessus des arbres comme ça pour qu'ils démarrent directement en l'air. Voilà. Ensuite, si tu as besoin de ça, ça pourra faire un joli petit feu d'artifice. Pas de fob. J'ai pas de fob. Donc on va oublier tout ça, on va mettre plutôt le commandant. Je vais l'enlever par erreur. Voilà, la reconnaissance. Du code de reconnaissance. Le véhicule, celui-là. Les hélicoptères, ils sont tous déployés. Ah, et puis on met ça comme ça. Parti. Voilà. On va essayer d'économiser les munitions. Il n'a pas l'air d'essayer.
Voilà. L'attaque a été repoussée. J'ai quand même perdu un hélicoptère. Maintenant, on va faire Yongdok. Alors, il a des Pangaea 2. C'est embêtant. Des Strela. Et pas mal de tanks. Pas trop mauvais, pas super bon, mais pas trop mauvais non plus. 25 points pour celui-là, il a 10 à l'avant, 40% de précision, c'est plutôt pas mal. Pour un tank à 25 points. Alors, toujours là, il y a des avions de chasse par contre. Comme ça. Et ici. Et par là. D'infanterie par ici, au centre. Là, il reste encore 90 points. Voilà, ça fera 4 avions. C'est très bien. Non, je sais pas si c'est indispensable. Avoir besoin de recours bientôt. Chica par ici aussi. Ah, là ça prend. Oh là là. Désolé, encore un bug.
Ah ben voilà, c'est fait. Ok. Donc les K1, les pistes faisantes ont fait le boulot et j'ai perdu un avion et deux unités de Seals. Ne reste plus que Sokcho. Allons pour Sokcho. Alors, j'ai des hélicoptères d'attaque et je me semble, donc on l'a vu, qu'à part ces Strela 2, cette BTR-60, il n'a pas d'anti-air. Par contre, il a Air Attack Company, c'est ça, je comprends pas. À part ces hélicoptères de... Ah oui, c'est cela. Ok. Ça a l'air d'être facile pour l'instant. On va voir. Sur le papier, on va dire. Alors, bien sûr, un FOB, parce que il va falloir ravitailler tout ce beau monde. On va aussi utiliser des Marines pour défendre la ville. Voilà. Tank, pourquoi pas. Ah ben on peut pas en prendre beaucoup, hein. On va peut-être prendre moins de Marines. On va les prendre par groupe de deux. D'abord on va prendre des tanks, et ensuite on rajoutera l'infanterie après. Voilà. Ouais, pareil, on va essayer de prendre des hélicos. Moins 2. Voilà. Et maintenant on va s'occuper de l'infanterie. On va mettre par groupe de 2 ici. 2 à l'ouest. 2 à l'est. Et 2 au centre. Ça m'a l'air un petit peu trop. On va en faire revenir éventuellement. Niveau aérien. Ah oui, c'est vrai qu'il a des. Il a des hélicoptères, donc oui, on peut prendre des Hawks, pourquoi pas. Utiliser la vision, c'est tout. Voilà. On peut même prendre des tanks en plus. Allez, pourquoi pas. Et il reste 45 points. On va pouvoir mettre éventuellement dans du ravitaillement par la suite. Alors, c'est parti. Alors, ici, on a Dongae, Kosung, apparemment. Bien. On va pouvoir essayer de caper Delta, ça rapporte plus 6 points. Ah, voilà ses hélicoptères, enfin un de ses hélicoptères. Infanterie.
Un peu partout, vraiment. Ah, y a vraiment partout, hein. Deux tiers 60 de face mes pieds. Bon, là, il soulève, se faire ravitailler. Celui-là se faire réparer et ravitailler. Dès que possible, ce serait bien de prendre un CV histoire d'avoir plus de points. Parce que là, plus 1 toutes les 3 secondes, c'est pas énorme, c'est pas suffisant. Un peu dispatcher les unités. Là, les hélicoptères sont prêts. On voit là par ici.
Voilà. On va ramener un commandant supplémentaire. Gagner quelques points. Une petite embuscade. Alors, on va enfin avoir des points. Prendre la cobra, dès que possible, histoire d'avoir un peu de reconnaissance. Bon, apparemment, il ne gagne pas beaucoup de points non plus, là, l'ordinateur. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Hein. Qui ramène ses hélicos. On va ramener une autre.
Ils ont disparu. Ouais, une petite élévation là, c'est ça. Pas de facilitateur. Voilà. C'est réglé. Victoire totale. Voilà, les deux compagnies aériennes et anti-tank détruites. Tout boulot quasiment a été fait par les Sea Cobra, les hélicoptères, les Abrams et un petit peu les Marines. Très bien. Donc, on va les contrôler avant le tour 10. Alors, il s'en est fallu de peu. Mais nous obtenons une victoire mineure. Ah bon, je sais pas pourquoi. L'offensive ennemie est coupée de ses arrières, bien que certaines de ses unités aient pu s'échapper. Mais seules quelques forces demeurent et elles ne constituent pas une menace. Grâce à vous, commandant, il est regrettable que nous n'ayons pas réussi à refermer la poche avant le jour 7. Ah, je ne savais pas avant le jour 7. Car toutes les forces ennemies seraient tombées, ce conflit serait aujourd'hui terminé. Avant le conflit 7, on peut avoir une victoire majeure. D'accord. Eh bien voilà, ça conclut cette campagne. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt.